Bonjour, je suis Fernando Palomec, je suis le directeur artistique et musical de l'ensemble Écoute, que c'est un ensemble français. Et je suis ravi d'être ici en Corée pour la deuxième fois. Alors, la première fois, c'était en octobre dernier, en octobre 2023. C'était très intéressant parce que c'était la première fois dans ma vie que j'étais à Nancy. Et le tout premier village où j'étais en Corée, c'était tout au sud à Mijo, qui est un petit village des pêcheurs. Et c'était une expérience vraiment unique, le fait de partager cette musique-là avec un public qui n'avait jamais dans sa vie écouté cette musique-là. Oui, alors les trois pièces qu'on a jouées, ils appartiennent à deux compositeurs français très reconnus, Olivier Messiaen et Tristan Murail. Et puis la toute première pièce, c'est d'une compositrice coréenne qui s'appelle Dahebu, qui c'est une compositrice qui a fait ses études en France et que moi j'avais convoqué cette compositrice à faire partie de ces projets-là dans l'idée de créer une ligne d'héritage entre Messiaen, Murail qui était élève de Messiaen et cette compositrice qui était élève de Murail. Je peux t'aider, voilà. L'ensemble Écoute, c'est un ensemble que j'ai cofondé en 2015. Ça veut dire que l'année prochaine, il fait 10 ans d'existence. Et c'est un ensemble dédié à la musique contemporaine. Mais pour nous, c'est très important le fait de travailler avec des compositeurs de tout le monde. C'est pour ça que, par exemple, pour ces projets-là, on avait convoqué à la compositrice coréenne. Mais de la même façon, on travaille avec des compositeurs qui viennent du Japon, d'autres pays de l'Europe, des États-Unis, de l'Australie, etc. Donc, il y a cette ouverture à des compositeurs de tout le monde. Et aussi, on aime bien les projets pluridisciplinaires comme celui d'aujourd'hui, dans lesquels il y a différentes arts, domaines artistiques qui se partagent pour offrir au public une expérience qui n'est pas habituelle, une expérience qui n'est pas celle du concert, mais quelque chose qui aide aux gens qui n'ont jamais écouté cette musique-là à l'apprendre d'une façon plus facile. Nous travaillons avec beaucoup de domaines artistiques différents, soit avec les théâtres, soit avec de la danse, soit avec de l'art visuel comme des peintures.
et aussi avec la compagnie Ficta. Et notre travail avec eux, ça devient depuis plusieurs années. On a commencé en 2021 à travailler pour la première fois. Et ce qui est très intéressant de ce qu'ils proposent, c'est que ce n'est pas simplement une vidéo qui est projetée. Du coup, ça, on ne voulait pas le faire. Nous, on voulait faire quelque chose qui soit réactif à ce qu'il passe sur scène et que ce soit quelque chose qui puisse s'adapter à n'importe quelle salle. Parce qu'aujourd'hui, on a joué ici dans une salle qui est plutôt large, qui est haute, tandis que dans d'autres moments, il faut changer la mise en scène, etc. Et du coup, ce qui est très intéressant des compagnies Ficta, c'est qu'ils peuvent créer à chaque fois, à chaque concert, quelque chose de différent qui s'adapte aux conditions du théâtre. C'est que ici, la mise en scène, elle est complètement différente à ce que nous on fera à Séoul mardi, parce que ici on a les tableaux. Et ces tableaux, comme vous dites, il faut les faire vivre. Il faut aussi les montrer au public, le faire découvrir. Et du coup, ça c'est quelque chose qui existe seulement quand on travaille avec Sophie. Ça, on ne le fait pas ailleurs parce qu'on n'a pas les tableaux. Donc, ça, c'est pourquoi c'est tellement intéressant pour nous de travailler avec Compagnie Ficta, parce qu'ils peuvent créer à chaque fois quelque chose de différent, de vivant, comme ils disent. Et Emmanuel et moi, nous avons joué ces pièces-là beaucoup de fois. Et Aya, la violoniste, aussi. Et du coup, c'est plus facile, c'est-à-dire on a besoin de moins de temps que si c'était des pièces complètement nouvelles. Ah, ça, c'est pas à moi de le dire. Ah, ça, c'est absolument pas à moi de le dire. Et plutôt, quand on joue cet spectacle dans un pays comme en Corée, qui culturellement, elle est tellement éloignée de la France, disons, il a une culture tellement forte, tellement développée que. En fait, je ne veux pas savoir et je ne vais rien imposer. C'est simplement, nous, on montre quelque chose, on les propose et après, on laisse complètement ouvert aux spectateurs de voir si c'était plutôt la vidéo, plutôt la musique, s'il y avait un moment qui les a touchés en plus. Moi, j'ai mes parties préférées. Il y a des choses que je préfère, bien évidemment, mais je ne vais rien imposer. Je vais simplement offrir ça et laisser au public s'emporter pendant, parce que c'est un concert long, c'est 1h10, et qu'il y a, il y aura des moments de plus de connexion, certains moments de déconnexion, certains moments qu'on va penser à d'autres choses. Du coup, ça, j'ai aucun ressentiment à demander au public. Voilà.
J'aimerais bien. J'aimerais bien. Normalement, si tout se passe bien, on revient l'année prochaine. Et aussi peut-être en 2026 déjà. Et du coup, ça, je suis vraiment ravie que cette premier lien qu'on avait créé entre la compositrice Corinne et nous en 2021, il s'est développé sur quelque chose de vraiment à long terme. Donc quelque chose qui était une petite collaboration en 2021, puis ça s'est développé avec la collaboration avec Sophie, puis avec notre disque, puis avec ces concerts-là, des concerts à Paris, etc. Donc petit à petit, il y a une forte collaboration qui prend lieu et que j'aimerais bien que tous les ans, on puisse revenir à travailler, à faire des choses. Donc qu'est-ce que tu attires pour tes fans? À tes fans, allez, dis-nous tout. Ça, c'est la question la plus difficile qu'ils m'ont jamais posée. Oui, il y a simplement une chose qui est, il faut être ouvert à de performances acoustiques différentes qui parfois, ils peuvent sembler difficiles ou complexes à y participer, ou qu'on a un peu peur, et que maintenant, où toutes les choses immédiates, on l'a tout le temps avec nos portables, avec nos, etc., que c'est bien d'avoir le temps de plonger vers des expressions artistiques et des performances artistiques qui proposent quelque chose qui nous ils peuvent nous montrer certaines choses de la spiritualité humaine et de l'art, et sinon on les perd. Voilà, c'est compliqué. Mais...